Alors, ces conseils politiques, notamment celui que je préside, est une initiative du président Parkstö. Il a souhaité, et je crois qu'il avait parfaitement raison, que nous ayons des moments de discussion interne déconnectés des questions institutionnelles, qu'on puisse aller sur le fond des choses. Et la ville résiliente est évidemment un thème qui est important, puisque on le sait, à l'horizon des 20 années qui viennent, plus de 60% de la population mondiale vivra dans les villes. Et donc, ce qui se passe dans les villes est essentiel pour l'avenir de la planète. Donc, nous avons travaillé tout à l'heure sur des questions très précises. Comment peut-on faire pour que les décisions d'aujourd'hui s'inscrivent dans une vision à moyen et long terme, qu'on n'ait pas une vision pour les 2 ou 3 années qui viennent, mais pour les 20 ans, 30 ans, 50 ans qui viennent, pour nos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. C'est très important, cette déclaration des droits de l'humanité qui a été lancée, qui fait suite à la déclaration des droits de l'homme de 1948, est un élément essentiel que CGLU, de mon point de vue, devrait prendre à son compte. En ce qui concerne maintenant les questions de mobilité, les questions d'urbanisme, les questions de développement durable, de lutte contre le réchauffement climatique, tout cela fait partie de la résilience. Le modèle de développement urbain ancien est aujourd'hui en crise profonde. Et il faut qu'on sorte des villes telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, avec les difficultés que l'on connaît, pour trouver un autre modèle de développement urbain, dans lequel peut-être il y aura moins de présence automobile au cœur des villes, où il y aura par conséquent moins de pollution, où on fera comme ici à Hangzhou, où toutes les mobylettes sont électriques aujourd'hui. Chez moi, à Strasbourg, ce n'est pas encore le cas. Donc, cette idée d'avoir un cheminement vers un autre modèle urbain me paraît extrêmement importante. C'est ça, la résilience des villes. Sortir des vieux schémas et construire des villes nouvelles, mais à partir de ce qui existe, pas à partir de zéro. Les villes ne s'arrêteront pas de vivre demain, elles continueront, mais il faut les faire évoluer vers des modèles de développement durable.